Hello! Salut, salut! Attends, j'ai bien réglé ça? Ouais, c'est bon. Non, c'est pas Nico qui fait le live, le gaz, le verlet est calé. Ah oui, regarde, attends. Attends, je remets un peu les FX. Attention, hein. Attends, ça a marché ça? Tu ferais start. En plus, il y a même les FX parce que je suis dans le même bureau que lui. C'est pas beau? C'est pas magique ça? Non ouais, j'ai un peu bossé ces trucs dernièrement. On verra bien. Je vais essayer de les foutre les fils aux autres. Comme ça, ils pourront s'en servir aussi. Et donc, attends. J'ai le son des poules aussi. Oh, mais oui! Mais oui! Faudrait... Faudrait que je mette le son des poules. Ce serait génial. Ce serait vraiment cool. Bon. Commence pas avant une réponse à un rébus. C'est important. Donc, on va l'afficher. Donc, on nous a dit, c'est Bruce Lee qui mange des gaufres en bord du vent en se rasant les jambes. Et non, parce que c'est Lee Gaufre, Lee Jambes. Vous l'avez ou pas? Lee Gaufre, Lee Jambes. Allô, voilà. C'est chien. Ouh. Ouh, le sub. Brez Knight, toujours. Toujours le même. Quand même pour les top 1, il n'y en aura pas un. Il n'y en a pas un. Ce sera... Je suis désolé de te décevoir, mais ça va être compliqué aujourd'hui. Bon alors, on va enchaîner direct par, bien sûr, le petit planinge, comme on dit, accompagné de l'absent. Il est absent, mais il est quand même avec moi pour présenter. Bon là, aujourd'hui, vous savez déjà, hein, je le remplace. Comme ça, on va pouvoir faire du Fall Guys pour essayer de faire aucun top 1.
Ça va être magique. Alors après, 15K, ok, tu mets les 15K sur le non. Normalement. Ou sur le oui. On verra bien. Donc, mardi et mercredi. Quand même, Joris, il va envoyer du lourd. Parce qu'apparemment, par je ne sais quelle magie, il a chopé du matos. Ouais. Il a chopé du matos et il va nous faire quand même. Allez, on compte, ça fait quoi? Ça fait 4, 6. Ouf, il y en a au moins pour une dizaine d'heures de. de Demon's Souls. Je pense qu'à la fin, on va le retrouver en PLS quand même. On va le retrouver en PLS complet. Et jeudi, parce qu'aujourd'hui. Donc, ouais, Nico, il est encore en vacances. Donc c'est pour ça qu'il peut pas. Et jeudi, on a donc il va tester un nouveau truc qui s'appelle Reason Doctor. Il avait déjà fait le. Allô, c'est chien. Ouh, kish kishou. Prononcer ce pseudo à haute voix, c'est toujours bizarre. Donc ouais, jeudi il va faire sur ce jeu qui va sortir bientôt, donc d'ici jeudi. Il avait déjà fait une démo là-dessus quand il y avait eu un Steam Demo Festival, je sais plus. Ça avait l'air bien hardcore, donc ça peut être plutôt cool. Et donc il n'y aura pas Will cette semaine parce qu'en fait mercredi soir, mais c'est pas marqué, mais du coup il nous montre le soir là, c'est déjà, voilà, c'est, il est déjà pris, donc on ne pourra pas. On va enchaîner, on va pas tarder, non, on va pas rester trop longtemps sur ce planning. On n'a pas eu Samuel Etienne encore ce jour-là. J'espère qu'il viendra un jour pour notre plus grand plaisir. Donc, il est l'heure de mettre les choses au clair, faire les choses sérieusement. On va d'abord créer les fameuses prédictions. Donc d'abord, on cherche Fall Guys. Ouais, mais un petit peu. Ah, ça c'est. En vrai. C'est pas du tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, on lance. J'espère qu'il y aura du 15K, du 20K, du 30K. C'est parti. Ah, j'avais pas vu. Abonné au niveau 1, son deuxième mois, c'était l'abonnement cadeau de Jojo. D'accord. Très cool ça. Très très cool. Donc, hop. Est-ce que le jeu veut bien se lancer? Est-ce qu'on a ça qui marche? J'ai l'impression qu'il galère. Non, c'est bon. Ok, c'est parti. En avant, on lance une petite prédiction. Ce sera pas. Allô, c'est chien! John fera-t-il top 1 ce midi? Hop, réponse oui. Oui, mais l'inverse. Prédiction, on va mettre quoi? 20 minutes. J'ai compris. Hey, salut Stéphanie, salut, y'a qui? J'ai même pas vu qu'il y avait en fait. Il y a un petit peu de monde quand même, c'est cool. Alors, c'est parti. Est-ce que le son marche? Ça a l'air de marcher. Prends la manette. Je suis un peu contre-jour, mais c'est pas grave. Alors, c'est parti. Ouh, qu'est-ce qu'on a? On va regarder le shop un peu. Il est là. C'est génial, ça. Mais je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez pour me le prendre. C'est pas grave. On va aller s'habiller comment? On reste en roi souris. Ou sinon... Roi des singes. Mais c'est très cool, ça. Bien sûr, on va le mettre ça. On a le bas du roi des singes? Non. Ça doit être... Non, c'est ça. D'accord. Eh ben voilà. Allez. C'est parti. Alors je préviens, niveau top 1, on sera pas sur les mêmes perfs qu'un Nico. Hein. C'est pas du tout... va pas falloir s'attendre à ça. Mais si jamais. Imaginons. Un top 1 qui sort.
repart. On repart sur une prédiction. Nico l'a bien fait la semaine dernière, on va peut-être pouvoir le faire. Il commencera. C'est un peu long là. Hein. Un peu long. Sur un ratio de 1,40 pour le oui. C'est dur, hein. C'est dur quand même. Vous êtes dur. Hein. Et un train de la hype. Purée, je n'avais pas vu ça. C'est incroyable. Ouais, alors. Ouais, on a quand même 3%. Qui est le seul, qui a mis sur le oui actuellement? Je voudrais savoir. Hop. Si le son est bon, je monte un peu mon côté. Voilà, c'est parti. Et trop tentant, j'ai Halloween sur le oui. Ouais. Mais c'est bien, c'est bien. Mais tu vois, je vais tout faire. Je vais tout faire pour que... Moi aussi, j'ai l'habitude de vivre sans les miens. Allez, go. C'est parti. C'est parti. C'est chaud. Et ça se fait. Hop. Oh. Ah ouais, ok. Oh là là, c'est... ah ouais, il est compliqué ce truc, hein. D'accord. Voilà, on y est, allez. On y croit, on y croit, on y croit. What? Chaud, chaud. Ça pousse, hein. Ça pousse beaucoup, hein. Ça pousse énormément. On va aller sur le côté. Parce qu'on n'est pas du tout confiant sur le projet. Allez, allez, allez. Voilà. Ça se fait. Ça se fait. On va voir un peu les adversaires qu'on a. T'as mis 10K sur le oui. T'as mis 10K sur le oui. Ok, impressionnant. Alors. Ok. Oh, il y a du monde quand même sur le oui. Hein. C'est cool. C'est cool, c'est cool. La pression. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, on a encore un niveau, tu peux... train de live niveau 1. Très cool, très cool. Très, très cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, allez. Tu... Il est génial, c'est... Attends, c'est quoi? Il est génial, cet émoticône. C'est génial. J'arrive pas à voir ce que c'est. Quelqu'un arrive à me dire ce que c'est exactement? Allez. Et moi, je suis pas comme Nico. J'ai un fil. Ça déjà, je me mets sûr de pas avoir de problème de batterie et tout ça, parce que sinon, on met toutes les chances de mon côté. Go, 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 go. Si. Non. Non. Oh là 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 là. C'est compliqué. C'est compliqué. À droite, à droite. À droite, ça passe bien. Ok. Ok, ici. Ok, on est bien là, on est bien. On le sent bien. Ils vont où? Très bien. Allez, 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 les premiers. Prenez le risque. Prenez le risque. Parce que si middle. Non, c'est à droite. C'est à droite, ça devient compliqué. Allez, allez, allez. C'est parti. Bon, c'est bon. Les 30. On va passer dedans.
On sait pas. On sait pas. Il y aura peut-être un... Il y aura peut-être un... Une première place dès le... Dès la première partie, hein. Qui sait ? Qui sait ? Pourquoi j'ai pas mon badge de conducteur ? Est-ce que... faut pas que tu le ra... je sais pas. Des fois, dans les options, tu sais, du chat, tu peux dire quel badge tu vas afficher. Peut-être qu'il s'affiche pas, en fait. Peut-être que le tien n'est pas... Pas totalement bien affiché. Hop. Alors, on est sur quoi, là ? Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. C'est des œufs. C'est des œufs en équipe. Ok, les gars. D'accord. Ok, ok, c'est mal parti. Mal parti. On va commencer à ramener des œufs. Et puis quand... Ok, la team est pas mal là. La team est pas mal. Puis maintenant, on va aller chercher chez les jaunes. Le but, c'est de éclater un peu les jaunes. Hop, lâche-moi, toi. Voilà. Hop là, c'est parti. Ouais, oula, qu'est-ce que c'est que ça là ? Ouais, voilà. Hop, 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 hop. 12, 13. Hop, hop, tu lâches ça. Non, non, toi, tu l'as... Bah, je le ramène, hein. Tu le sors, je le ramène. Et... Voilà, c'est parti. On laisse ça passer. Oh là là. Bon, bah, moi, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, je le rentre. Voilà. Ça... Ah, les jaunes, ils sont un peu en galère. Mais bon, on sait jamais. La remontada qui peut arriver à tout moment. Oula, ça c'est pas bon ça. Oh, je t'ai brain. Je t'ai brain complet. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Lâche. Bien ça, bien ça. L'enfer, ouais, la map des œufs, c'est galère. Hein. Mais bon, elle est bien. Alors, qui m'envoie un message en même temps ? Hop. Alors. Ah oui, d'accord. Absolument pas de réseau. Intéressant. Dommage. Ouh. Ça. Ça, c'est pas pour moi, ça. Hein. Allez. Non, on me pousse pas, on me pousse pas. Voilà, allez. Y'a moyen, là. Mais il est con, lui, hein. Mais il veut pas arrêter. Voilà. Et bon. Allez, vas-y, toi. Voilà. Hop. Dommage. Et là, ça pue. C'est là que ça commence à puer parce que... On y croit. Montez-vous. Voilà. Non, non. Oh là 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 là, les bâtards. Ok. On y croit en faisant ça. Maintenant. On va pas le faire, hein.
C'est un enfer. Un enfer cette map. Cette map est un véritable enfer. Allez, pousse. Voilà. Voilà, pendant qu'ils galèrent tous là, je vais essayer de. D'aller à gauche. Voilà. Allez, non! Non, c'est deg. Elle est horrible cet enfer. Elle est horrible. Elle est horrible cet enfer. Infernal cette épreuve. J'étais super bien parti. Allez, on quitte. J'étais trop bien parti et puis. Et puis voilà. Et puis voilà. Par contre, ça c'est. Hop. Voilà. Bon. Ouais. Sinon, tu vas manger l'esprit léger. Puis après, tu reviens pour le top 1. Hein. C'est important, hein. Ok, voilà. Allez, on y croit. On y croit. Quelle musique. Quelle musique infernale. Ça donne des cauchemars. Hein. Alors, ça a marché là ? J'ai toujours plus de réseau. Hop. Ben voilà, c'est bon. Je fonce un effort. Encore cette épreuve. Il y a moyen que je me fasse éclater hein, là-dessus, hein, parce que. Des fois ça part très mal, surtout le rush final. Bon allez, on part à droite et on voit si ça passe. Non. Ah, il y avait moyen tout à droite. On va rester à droite, on va coller à droite. Voilà. Parce qu'il y a peut-être moyen. Allez. Oh, je me fais hurler dessus. Non. Purée, quel enfer. Cet enfer là. Regardez-moi ça. Je me fais rouer de coups. Je comprends pas. C'est un enfer. Un enfer complet. Je comprends pas ce qui se passe. Non. Et voilà. Normalement il y a moyen de pas réussir sur la première épreuve. Voilà. Allez, allez, voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Elle est horrible hein, cette épreuve. Hein. C'est vraiment que de la chance. Que de la chance. C'est pas grave. Ça va venir. On va récupérer le truc. On va récupérer le mojo. Faut dire, Nico, qui... il est quand même chaque semaine dessus hein. On est sur un niveau un peu au-dessus quand même. Ok. Ça va partir. Et si on part que à 40, ça peut aller très vite après. Hein. Ah non, ça monte. On part à 60. On part à 60. Ok. Voilà, ça, c'est des épreuves un peu plus... plus normales, quand même, hein. Dans le chat qui est là, c'est marrant, on n'a pas on n'a pas roulé aujourd'hui.
On n'a pas Roblé qui est là pour tout miser, tout mettre. Alors? Ok, c'est bon. Vas-y. À toutes. Allez. Les croix. Oui, bah oui, voilà. Il y a moyen que ça se passe très mal quand même. Hein. Que ça se passe mal quand même, hein, même sur cette game là. Hein, c'est. Quand tu démarres et que tu te fais un peu rouer de coups d'entrée. Voilà, tu vois, genre ça. Ça c'est pas cool. Voilà, nickel les gars. On y va. Allez. Ça avance. Hop. C'est parti. Voilà. Allez, c'est parti, clac. On est quand même pas bien dans les premiers là. Hein. On est. Non, on n'a pas papa là. Il nous manque, hein. Il nous faudrait papa. Non. Pas se prendre de. Regardez-moi ça là. Quel enfer. T'imagines. Encore se prendre un. C'est pas la forme, hein. C'est pas la grande forme là-dessus. Ça devrait mieux se passer après. Un début chaotique. Est-ce qu'un. Regardez, tout à l'heure, on a eu un démarrage parfait et une fin chaotique. Est-ce qu'on inverserait pas la tendance? Hein? Est-ce qu'on serait pas plutôt sur le début chaotique et la fin en top 1 phénoménal? Voilà, et puis on peut relancer une prédiction, tout ça, c'est important. Eh ouais, là c'est dur. Hein. On est sur la troisième run, la deuxième, allez, on va dire qu'on compte pas la deuxième. On va dire que la deuxième, elle était pas, elle est vraiment annihilée complètement. Je la couperai carrément du stream, on va... Les prédictions, c'est la vie. C'est un philosophe qui disait ça. Non mais je comprends pas. Se faire tenir comme ça d'entrée. Hop, allez, mid. On prend le mid. On fait un mid parfait. Ça va très vite. Ils vont beaucoup plus vite que d'habitude. Hop. Hop, voilà, allez. Maintenant, on essaie de pas se faire éclater là, c'est nickel. On prend le temps, on sécurise, on gride pas. Mais pas Nicolas. On passe sur le côté, on peut passer là, on est bon, voilà. Voilà, nickel. C'est le sang qui coule. Ouais, ça devient costaud quand même. Il en dit quoi ton médecin en fait de cette addiction? Est-ce qu'il t'a dit qu'il y avait voilà qu'il fallait un peu qu'il fallait en mettre plus? Peut-être qu'il faut en mettre encore plus parce que plus t'en mets. Peut-être mieux l'addiction sera soignée. Non? C'est peut-être comme ça que ça marche. Ceux qui fument, peut-être qu'on leur dit fumez beaucoup plus. Ceux qui jouent aux jeux vidéo, jouez encore plus. Donc voilà, c'est bon. En fait, on va faire ça. Donc, misez plus. On fera des prédictions pour tout et n'importe quoi. On va faire des prédictions pour est-ce que le stream sera à l'heure? Est-ce que le stream va terminer à l'heure? Est-ce que. J'ai peur du jugement. Déjà, est-ce qu'il va comprendre ce que c'est des prédictions? Est-ce qu'il va pas se dire Madame 035? Madame 035. Déjà, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Parlez de prédiction. Est-ce que vous êtes voyante? Et là, il va prendre peur. Parce que les voyantes, je pense qu'elles font peur aux psys. Et oui. Parlant de psy, toi, Stéphanie, qui mate pas mal de séries, est-ce que tu as vu la série
en thérapie. On a commencé à regarder la série en thérapie hier et c'est plutôt pas mal. Plutôt sympa, plutôt original. Rentre ! Pourquoi ça ? Ça va être chaud là, hein. Là, il y a moyen que la... Ouais, ça va être chaud quand même là. Ça va être chaud, il faut que je me fasse un 5. Un 5, là, il est là. Il est là, le 5. Non, mais non, j'en ai marre. La longue liste de séries à regarder. C'est chaud quand même là. Je fais des runs un peu pitoyables. On est sur des runs qui sont... Qui font mal au cœur. Exactement. Allez, quitte. Mais... Voilà. On relance. Je sais ce que c'est. Je sais d'où vient le problème. Le problème. Il vient clairement du skin. C'est toujours le skin le problème. Donc, si le problème c'est le skin, c'est-à-dire qu'il faut se mettre comme ça. Hop, je préfère. Allez, on envoie le truc. Ok. Il connaît pas là, mais il a pu voir que j'étais dans son bureau pendant le début du stream. Et je peux te dire qu'il a lâché un gros JPP. Ouh, salut Jojo. Alors, on en est où de ce Sekiro? J'ai vu que tu tâtais un peu du Sekiro tout à l'heure. J'essaie de faire du speedrun ou quoi? Bon, résumé des runs, première run, démarrage parfait, fin chaotique, deuxième, on n'en parle même pas, c'était pitoyable, la troisième, chaotique de bout en bout, donc bon, on peut dire que la prochaine sera soit repitoyable, soit parfaite de bout en bout, je pense qu'on peut partir là-dessus, ça ponce crade. Et Jojo, le... Mince, comment il s'appelle? J'ai déjà oublié le nom là du Souls-like que tu as commencé la dernière fois. Tu l'as continué? J'ai déjà oublié le nom. Comment il s'appelle? Mince. Shattered, c'est ça. Oh là 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 là, ça pue ça. Vraiment pas ce... Allez, là ça descend, là, ça descend. Descendez-le. Non, non. Oh putain. Voilà. Ça démarre mal, hein. Ça démarre très mal. Pas encore. Ça démarre très mal. Non. Pff, on y croit. Ok. T'as pas terminé encore. Est-ce que tu vas nous en parler? Que tu vas nous en parler au prochain ou pas? Prochain épisode? Ou est-ce que tu vas... Ce sera plutôt sur... Sur... Comment il s'appelle? Brazage? Le Subnautica qui est dans l'espace. Mais plutôt sur quoi? On y croit là-dessus. Là-dessus, on y croit. Je me demandais, est-ce que le micro sature?
Parce que j'essaie de le positionner. J'ai l'impression qu'il sature dans le mélangeur. Mais ok. Hop 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 hop. Eh les gars. On lâche papa. Ça sature pas chez moi. Ok, non, mais c'est juste le mélangeur audio, j'ai l'impression qu'il sature à mort, mais. Mais au final, ça va. Hein. Si ça va, ça va. Hein. Je suis pas confiant hein, sur cette épreuve-là. J'aime pas ça. Hein. Ah, beaucoup trop vite pour moi. Tu m'entends pas alors, ça va. Toi, t'as que l'image. T'as que l'image en 320p, c'est ça? Ah, ça va alors. Attends. Tu l'es sur mes lèvres alors? Faudrait que je règle la saturation de ce truc. Il est où? Tac. Est-ce que ce serait pas ça? Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Quel crack! Et ouais, il est fort. Bon, on est sur quoi là? Oh là là, ça c'est l'épreuve de l'enfer. Hein. Ça c'est l'épreuve. Ça j'y arrive pas, hein, cette épreuve. Hein. Bon, bah si ça démarre comme ça, ça me va. Parce que. La dernière fois, à chaque fois que j'ai fait que je l'ai fait ce truc là, je peux vous dire que j'étais que je me faisais un peu rouler dessus. Hein. Mais là on y croit. Oh là 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 là, incroyable. Avec zoom sur ta bouche. Ah, c'est des dents, ça. La salade. Ça devient cringe, hein. Je crois plus le... Plus les semaines avancent, plus les streams s'enchaînent, plus ça devient n'importe quoi. Au début, ça se respectait un peu, ça... Voilà. Nico, il avait un peu un mot d'ordre, c'était en... On essaie d'être carré, on essaie d'être un peu réglo. Que ce soit familial, quoi. Puis maintenant, on est loin de tout ça. Hein. La salade niçoise, exactement. On a renommé la salade confinée. Ouh, alors... Il est en vacances. Juste jusqu'à aujourd'hui. Hein. Pour ça que j'ai chopé le créneau. Hein. Mais là, le boss du... Bon, ok, c'est pingouin en équipe. On a du pingouin. Lâche ça, toi. Hop. J'ai... Vas-y, échappe-toi, copain. Oh là là, c'est ça la méta. Faut les... Non, lâche mon copain, toi. Hop, et voilà, allez. Non, pingouin, viens là. On est très mal. Très mal, il y en a un qui performe là. Oh, c'est pas bon ça. Une minute pour. Ouais, à falloir plutôt chase les jeunes. Qui sont les deuxièmes après nous. Et Ok, on s'en sort mieux. Là, il y a un jeune là-haut. Qu'est-ce que
s'est passé. Non, lâchez-moi. Ah là là, elle est jeune là. Voilà, maintenant c'est les bleus là qui sont en galère. Mais là, bah oh. Bah ok, toi. Ok, bon on est bien là. On est très très bien pour les 20 secondes qui suivent. Maintenant, faut juste que les bleus arrêtent de faire. D'essayer d'avoir un. Moi j'ai eu le droit le week-end prochain. Ouais, c'est vrai que le week-end prochain c'est pas. Après, franchement. Un confinement le week-end. J'ai pas vu la différence avec un. Enfin, si, t'as quand même une différence par rapport à d'habitude, mais. C'est pas. C'est pas il y a un an. Il y a un an, c'était vraiment compliqué, hein, mais là. Là, tu sors un peu avec ton attestation, et puis voilà. Hein. Je suis d'avoir une bonne raison de sortir, mais c'est bon. Ah ouais, tu vas pouvoir stream tout le week-end en fait. Ouais, voilà. C'est ça. C'est exactement ça. C'est le. Non, qu'est-ce que c'est que cette épreuve? Ils sont sérieux? Il y a un. Il y a un ventilo? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Je. J'ai déjà envie de péter un câble. J'ai déjà envie de pleurer. Oh là là. Allez. Ah ouais, ça pousse, hein. Ça pousse sévère. Hein. Oh là 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 là. Allez. Vous allez me voir très concentré, hein. Parce que là, faut pas que je. Oh non, 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 non. Voilà. Là, c'est pas bon, ça. C'est le. Ouais. Mais c'est horrible. Pourquoi ils font ça? Elle est déjà relou. C'est vraiment pour éviter qu'elle dure 30 ans, en fait. C'est. Ah là 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 là, ça devient compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Ouh, attendez. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec, avec 4? Rien? Nickel. Moi, je veux Mugman. J'aimerais bien avoir Mugman. Le ventilo, c'est très compliqué, hein. Le ventilo, c'est un enfer. C'est un enfer. Mais le plus important, c'est de repartir. C'est toujours de repartir. On tombe, on repart, on tombe, on repart. Puis après, bah, on tombe définitivement et on fait pas top 1. Hein. C'est le. C'est la dure loi. Du lundi top Fall Guys. Alors, on a combien de. On a eu combien de. Ah voilà, c'est mieux, on voit mieux là. Ah oui, il y a eu pas mal de votes sur le oui quand même. Vous êtes fous? Dont. Ah oui, quand même. Il y a 5 votes sur le oui, mais il y a quand même que 2 sur le non. À 55A. Comment c'est possible? Qui a tout mis? Qui a tout mis sur le. Qui a tout mis sur le non? Après, j'espère que vous avez bien lu. C'était oui, mais l'inverse. Non. On sait jamais. J'imagine. J'espère que sur le téléphone, c'est pas sur l'appli, c'est pas juste marqué oui mais et en fait on voit pas la fin et donc ça galère et tu cliques, t'as voté oui et en fait ben non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est pas grave. J'aurais dû me mettre le fond de chez Nico là sur moi. Allez, c'est parti. Tout à l'heure, je me suis fait éclater là-dessus. On y croit cette fois. Voilà. Ouh, ils ont ouvert beaucoup trop de portes là. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Non. Non. Si, à droite, à droite, à droite, à droite. Voilà. Si ça passe pas là. Ça passe là.
Ok, allez, c'est bon. Ouh, merci petit chimpanzé. Allez, on ouvre la porte en premier et on espère qu'elle va s'ouvrir là. Allez, c'est parti. Ah, t'as pas vu le... Regarde, je te le remets. Non, non. C'est là. Attends. Il y a la petite animation qui repart. Pas beau, ça. C'est chez Nico. C'est chez lui. C'est son bureau. Je l'ai squatté. Et si on regarde bien l'image, on voit qu'il y a un détourage. J'ai dû le supprimer. Mais et qui est un peu dégueulasse. Mais ça passe quand même. Ça passe quand même. Bon. Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on dit que ça passe cette fois ? Quelle est cette épreuve ? Ah oui, bon, normalement. Il y a moins que ça et là-dessus. Faire gaffe que Will ne casse pas par contre. Non, ça va. En fait, c'est surtout que là, j'ai tout exporté sur OBS depuis Streamlabs. Donc, Will, il peut casser ce qu'il veut. C'est plus du tout synchronisé. Et donc, ça va, en fait. Et donc, j'aurai toujours ma conf bien comme il faut. Bien fait. Allez, on pousse. On est en premier, on pousse. Non, ça c'est pas bon ça. Voilà. Oh là là, ils sont tous arrivés de la gauche. Oh, c'est un enfer. On y croit, voilà. Tac, on prend la tangente. On va se faire pousser. Mais non, c'est le top 2, c'est bon. Mais regardez-moi qui voilà. Attendez. Faut que je fasse une modif alors. S'il est là. Hop. Zut. J'ai mis ça où ? Et voilà. On la baisse un peu, on se déplace, et puis voilà. Ouais, juste la caméra est inversée. Mais... et là, attends, là on voit ta tête encore. Allez, c'est parti. La méta, c'est à droite, tout à droite. On va se prendre une banane. Qu'est-ce qui se passe là ? Et c'est quoi ça ? Oh ! Mais, je comprends pas. Je me fais éclater, là. Je fais exploser. Ah oui, d'accord, ok. Ah, ok. Bon. Voilà. On peut dire que c'est terminé, là. Hein. Parce que là, vu l'épreuve que... C'est un enfer. Je n'arrive pas à monter. Bon, allez, hop. Voilà. Je pense que j'ai eu la pression là. Il est arrivé et puis... Qu'est-ce que c'était que cette épreuve ? J'ai jamais eu sa top 10. Je crois que j'ai fait un best top 7 peut-être. c'est pas la folie. Alors je comprends pas, aujourd'hui elles sont éclatées les épreuves. Je me suis pris le... Mince, je sais plus comment ça s'appelle cette épreuve. Bon, l'épreuve finale avec la plateforme ronde et avec les bouts qui tombent, où il y avait un ventilo. Et donc potentiellement il te poussait dans le vide le ventilo.
Voilà. C'est comme ça que je me suis fait avoir. On y croit. Ouais, rude. Mais là, l'épreuve avec les bananes, le tapis, il allait beaucoup trop vite. C'est quoi ça, là? C'est quoi ça? Ouais, je crois qu'ils ont mis toutes les pires épreuves, là, aujourd'hui. Hein. Allez. Voilà, nickel. Il y a des fraises dans tous les sens. Oh, mon dieu. Qu'est-ce que c'est? Bon. D'accord. On fait pas l'erreur, parce que l'erreur serait de vouloir grid au milieu là, et franchement c'est pas cool. Ah, un quiz. Eh ouais. Eh ouais. J'espère qu'il va être costaud ce quiz. Hein. J'espère qu'il va être. Ce sera le quiz de qualité. Et la bise. Allez, bon train. Et en plus, c'est lui qui a le... Il a le logo du train de la hype. Du train de la hype. Comment ça se fait qu'il soit conducteur? Qu'il est. Mais oui, c'est ça, c'est large. C'est large. J'ai large le temps, son train. De toute façon, il va avoir du retard, il va être bloqué en gare. J'appelle la femme de ménage et puis elle vient ranger tout ça. Attends, est-ce que... Ouais, c'est bon. Donc, les portes. Les portes. On est moins là au final, hein, pour l'épreuve des portes. Tout à l'heure, on l'a prise en première partie. Et... Ah, est-ce que... Il y a toujours... Est-ce que Stéphanie est toujours là? Je lui ai posé une question. Alors, la série... c'est Little Fires Everywhere, non? Sur... dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Je voulais savoir si au final elle était bien, si tu l'avais terminée. Et ça donne quoi au final? Est-ce que c'est plutôt cool sur le long ou ça reste... Non? Mais lâche-moi! C'est bon, allez! Ouais, elle est sur Prime. Ouais, c'est pour ça que je la vois souvent. Mais je me demande vraiment ce que ça donne et si c'est... ça vaut le coup. Regardez. D'accord, ok. Ah, si on a que 8, ça va. Hein. Ça se regarde alors. Ça se tente.
Ça s'en va déco. Je crois que c'est Little Fire Everywhere. Little Fires Everywhere. Quelque chose comme ça. C'est sur Prime. Ok. Donc là, c'est les anneaux. Non, ça fait pas là. Oh là là, ça va être costaud là. Je sens que ça... Mais, sérieux? Mais... JPP de moi là. Bon, je démarre très mal sur une épreuve des anneaux. Et y'a moyen que... Ok, ok, là-bas. Allez. Hop. Hop. Allez, on y croit. On y croit. Non, tu peux pas passer, toi, là. On y croit. Allez. Oh là là, j'ai un peu tout arnaqué là, mais bon ça passe. Alors, Tribes, ah oui c'est en, j'ai l'impression que c'est en page d'accueil ouais, sur Netflix. Et donc, t'as commencé ouais moi, non mais j'ai surtout volé les anneaux de ceux qui poussaient les caisses hein. C'est bon, j'en ai marre, c'est plutôt moi qui me fais avoir à chaque fois. C'est long là, ils y arrivent pas. Hein. Oh là là. Ah ouais, j'ai cru que... Et donc ouais, Tribes, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on est sur un... Est-ce qu'on est sur un plutôt un... Bonne série ou pas? Ah non, ça marche pas si je fais ça. J'ai vu la moitié d'un épisode, je sais pas encore. D'accord. Quand tu dis t'as commencé, c'est vraiment t'as maté la moitié quoi. Il va me dire que les épisodes ils font 20 minutes donc il a maté juste le générique de début. Futur, ouais. Il y a longtemps, j'avais maté, et j'ai jamais terminé, la série The 100, les 100. Et le début était vraiment très nul, mais très 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 nul. Et puis au bout de, je sais pas, de la moitié de la saison 1, ça devenait un peu plus intéressant, j'avais enchaîné, ça passait. Et après, ça partait vraiment trop en vrille et j'ai pas réussi à finir. Je crois que j'ai pas du tout vu la dernière saison. Mais The 100, c'était... Enfin, cette série, les 5 premiers... 6 premiers épisodes, ils sont, mais nuls. J'ai jamais vu un truc... C'est ça, en fait. C'est si t'accroches pas jusqu'à la moitié de la première saison, t'as l'impression que c'est une teenage série, à fond. Et en fait... Après, ça passe. Parce que ça devient un peu plus trash, quand même. Mais après, ça part trop en vrille et... Avec Queen Gambit, ouais. C'est vraiment cool, hein. C'est vraiment très cool. Bon, faut tenir 1 minute 30 sur cette épreuve. Je me concentre. J'arrête de lire le chat. Ah, ça tient, hein. Il y en a qui tiennent. Ah, t'as créé ton compte chess.com. Alors franchement, il faudra tenter. Hein. La dernière fois, j'ai joué contre Roblé. Bon, je me suis fait un peu éclater, mais... Mais depuis, j'ai un peu train. Mais c'est très cool à apprendre. Mais faut vraiment faire toutes les leçons, quoi. Faut vraiment faire plein de leçons sur ce site. Et là, t'as...
T'as une semaine de tests. Oula, 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 oula. Sur en premium sur le site, sur le. Donc tu peux tester le premium parce que c'est très cool. Tu peux avec le premium, tu peux analyser tes parties. Ok, ça devient un enfer. Ça devient un enfer les gens. Non, je suis tombé. Je suis tombé. Je tombe. Et analyser les parties, ça prend vraiment, vraiment bien. Sur. Non, s'il y en a qui sont tombés. Et j'ai pas envie de réfléchir. Parce que là, il me reste 3 secondes. Oh. C'est un enfer cette épreuve. Elle est méga stressante. Méga, méga stressante. Kerry Washington. Ah oui! Kerry Washington joue dedans. D'accord. Allez. Avec les pseudos. Il y a des pseudos partout là. Faudrait peut-être que je les enlève. À l'assaut des œufs, par équipe. Donc dernière épreuve, je pense, avant le. Avant l'épreuve finale. Ok. On y croit. On va tenter la même. La même truc que tout à l'heure. Allez, tu me lâches, toi. Allez, les copains. On amène les œufs. Ah, il m'a amené un œuf, lui. Et après, il va falloir attaquer les bleus. Après, on attaque... Mais non! Mais t'es con, toi. C'est un pote, lui? Ah non, c'est pas un pote. Pas du tout un pote. Ah si, si, c'est un pote. D'accord. Ok, je vois. Il y a une méta, il y a une méta à faire. Donc là, on attaque les bleus. Bon. Est-ce qu'il y en a qui sont au milieu, là? Là. Allez. Les bleus sont attaqués. Tout de suite. Oh, c'est... Oh, c'est un enfer pour eux. Est-ce qu'il est seul à défendre? Il y a le pont. Il y a le pont. Hop. Ah ouais, les pauvres bleus, là. Tiens, je passe. Non, j'arrive pas. Comment ils font pour faire ça? Je sais pas. Je sais pas quoi. Ça commençait moi un peu, mais je me sentais pas bien. Vraiment, j'ai pas envie de le lancer ce truc. Hein. Ça a l'air vraiment. Vraiment cringe. Hein. Bon. C'est maintenant que ça. C'est maintenant qu'on envoie tout. Maintenant que ça vient. Ouais, ça c'est pas la. C'est pas l'épreuve. Pareil que la plaine. Bon bah alors. Vaut mieux la plaine plutôt que cette série. J'ai absolument pas la méta sur cette map. Bon, pour l'instant. Ils veulent vraiment se laisser tomber, les mecs. Ok. Ok, je vois. En fait, faudrait que je me crée un... Je sais pas si c'est faisable de se créer une zone.
Mais comment c'est feu? Non! Mais non, mais comment c'est possible? Le type me tient et il arrive à sauter. Oh là là, quel enfer, mais quel enfer. C'est n'importe quoi ce truc. Non mais c'est chaud, hein, c'est chaud. Ah là là. Ça, ça arrive pas à Nico, ça, hein. J'ai pas envie. Non. C'est peut-être le décor, hein. Peut-être le décor qui fait ça, hein. C'est peut-être le... Je sais pas, y a un truc qui fait que... Bon. Allez. On va se mettre du... Voilà. Allez, pendant 45 secondes, c'est mode only. Balancez tout. On met tout. Ça va permettre de mettre un peu de d'engouement dans tout ça. Je sens que la hype, elle est pas là, tu vois. C'est... Purée, ah oui. Quand on lui dit ça, on est mode only, balance tout. Hein. D'accord, ok, aucun problème. Allez, on passe là. Normalement, ça passe. Voilà. Voilà. Voilà, c'est parti. Les percuts de porte. Ça, c'est bon. Voilà. Très bien. Allez, sur celui-là, sur celui-là. C'était très, très chaud. C'était très, très chaud, la fin. Il y a quand même des émotes qui sont géniaux. D'où viennent les modes de... Oh, il y en a qui sont géniaux. Les modes de Kaamelott et tout. C'est Ultra Curse, le retourner sur la caméra. La fenêtre est du mauvais côté. Et oui, c'est ça. En fait, c'est parce que si je suis en mode... Parce que comme j'ai pas ma caméra, je peux pas la centrer en fait. Elle est un peu sur le côté. Quand je suis au début de stream, je suis à droite. Donc je l'ai retournée, elle est normale. Et quand je suis en jeu, je l'ai retournée. Donc en fait, ça a retourné le fond. C'est pas... pour ça. C'est l'astuce, c'est la technique pour voir que je suis pas vraiment chez lui. C'est un peu un... C'est la technique visuelle. Bon, tout à l'heure, j'ai réussi celle-là. On y croit là, hein? Est-ce qu'on prendrait pas la tangente? Voilà, regardez, ça a l'air de bien passer là si on prend la tangente. Ouais, les mecs ils ont bien compris en fait. Ah, pas totalement. Bon, maintenant le but c'est on va attendre un peu la boule, on va attendre la boule, hop, on passe, on passe, on passe, on passe, on passe. On change. Non, bon, on s'en fiche. Allez, relève-toi. Bon, c'est pas grave, tu te relèves. Il y a du... ça pousse, hein. Vous le voyez pas, mais ça pousse. Ça pousse beaucoup, hein. Oh, c'est compliqué, c'est compliqué. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est compliqué. Ouais. Oui. Non mais en fait faut juste que je retourne le fond. Mais le fond il est fait par c'est pas sur OBS. Non, non. Oh là là, c'était chaud ça. Ça c'était chaud. Et c'est pas sur OBS, en fait c'est sur le soft de Nvidia qui supprime automatiquement mon fond et je vais lui dire de me rajouter un fond. C'est technique. Mais j'ai juste à... Je vais faire un miroir sur ce fond-là, je vais le mettre en double. Ça va être compliqué, on va le faire. On va le faire. Ah oui, tu le vois là. Et là, en fait, regarde, on le voit. Là, il y a son micro. Là, il y a le micro. Il y a Nico. Après, ça le fait bien. C'est des trois jeux automatiques de Photoshop. Les bananes et le raisin.
quoi? Il y a des fruits. Banane, raisin. Oh là là, c'est un enfer. Il nous balance des fruits à la tronche. Je crois que je suis sur une banane là. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette épreuve? Le jeu nous balance littéralement des fruits à la tronche. Donc, alors. Et cerise, des pastèques et... orange banane, ok. Donc là, cerise, pastèque, orange. Je suis sur une pastèque là. Faut juste pas se prendre de... Je suis au milieu, normalement il y a moyen de pas tomber. En vrai, quand tu es devant, ça passe. Ouais, quand je suis devant, ça va. Des mangues, des bananes, des oranges, des cerises, des pastèques. Oh là là, il y en a partout. Oh, les bananes, je sais plus. J'ai plus. Et je pouvais pas bouger, je savais qu'il n'y en avait pas là. Je savais qu'il n'y en avait pas là. C'est un enfer, hein. C'est vraiment la galère. Le problème, c'est que j'arrive pas à la fin. Si j'arrive pas à la fin, je peux pas m'entraîner au top 1 qui font que bah je... Bon. J'ai fait deux épreuves finales. Sur je ne sais combien de tentatives. Mais ça se fait. C'est parce que je suis pas aidé. Faudrait que je me fasse stream hack pour un peu d'aide. Je pense que c'est la seule façon que je vais avoir de gérer. Sinon, je vois pas. Mais promis. Promis, on va s'entraîner. En fait, pendant une semaine... Faudrait me laisser tous les créneaux de stream. Et vous verrez en fait à quel point je me fais bolosser par le jeu. Donc, lundi, c'est Fall Guys. Mais voilà, faudrait voir si Phoenix il est là. Lundi, c'est Fall Guys. Faudrait que mardi, que Joe il me laisse Demon's Souls. Et en fait, avec Demon's Souls, il n'y a pas peut-être moyen. Voilà, ça va tomber là. Voilà, bien sûr les gars, bien sûr. Sur Demon's Souls, il y a moyen que je dépasse pas les 100 premiers mètres du jeu, hein. Mais ouais, mais là, si les mecs... C'est bon. Là, c'est équilibre. Là, ça équilibre. Non, pas de ça chez moi, quand même. Eh oh. Là, c'est bon, allez. C'est vraiment les pires épreuves, ça. Hein. Je pense qu'on peut dire ça sur toutes les épreuves, à peu près. Gardez vos canapins, pourquoi? Pour ton Demon's Souls, y a moins que ça tabasse ou pas? Oh yes, ça c'est bon, ça. Ça c'est très bien, ça. Ça va parler sur des first try, très bien. Tu l'as, par curiosité, tu avais pas fait Demon's Souls. Original. Non. Allez, non, pas de ça. C'est chaud, mais j'y crois. Oui, mais tu t'es cru où, toi? Voilà. Jamais full découverte. Ah, ça va être génial. Ça va être trop bien. Ça va vraiment trop bien. Et est-ce que t'avais maté quand même des streams ou pas? Là, quand il est sorti, où tu essaies de te garder une certaine découverte. Je suis vraiment curieux, quoi. Bon, en tout cas, ça va être la folie. Au moins, vu que tu pourras le faire, il pourra officiellement faire partie du GOTY 2021. Tout le... Ouais, bah ça c'est cool, au moins t'es vraiment en découverte, quoi. Au moins c'est cool parce que
Le parc, ouais, on va dire que le parc de PS5 il va être peut-être un peu mieux installé cette année, donc les gens ils pourront vraiment plus les découvrir. Parce que là on a entendu beaucoup parler, surtout, bon parce que c'est un événement, mais il a, c'est perturbant en fait, il y a le micro de Nico là. Mais réellement, le nombre de personnes qui ont pu jouer, il doit pas être énorme. Parce que c'est pas tous ceux qui ont la console qui vont y jouer. Parce que c'est bah déjà parmi ceux que je connais, parmi ceux que je connais qui l'ont, bah ils le font pas, ils l'ont acheté juste pour avoir une upgrade de leur console, mais pas forcément pour des exclus comme ça. Mais donc c'est-à-dire que à part les streamers, ils doivent pas être énormément. Pas avoir des milliers de gens qui l'ont fait. Hein. Des millions plutôt. Parce que des milliers, il y en a forcément. Donc c'est cool. C'est cool. Ça va être. En plus, t'as du. Demain, c'est quoi? C'est 4 heures. Mercredi, c'est 2 plus 4. Bon, ça va faire du. qui va être lessivé à la fin. tu vas être éclaté. Ça, je me suis fait avoir tout à l'heure. Faut pas que je me repose sur mes lauriers. Parce que... Il y a vraiment moyen de... Hop, alors. McCree. Personne. Faut du challenge, je fais la guitare de Guitar Hero. Mais oui. Ou t'as pas la batterie de Rock Band, de Rock Band, Jojo? Ça fait vraiment, vraiment cool. Allez. Moi, je veux... Déjà commencer par lui là-haut. Voilà, hop, lâchez-moi, nickel, hop, 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 passe ça. Mais non, mais, ok, bon, ouais, allez. Mais bon, allez, ça part très mal, ça part très mal. Les mecs tiennent, hein. Ils ont vraiment aucune race, hein. Voilà, allez. Allez, maintenant, on se la tente vraiment. Hop là, regardez-moi ça là. Allez, c'est bien ça. Comme partage TT avec la streameuse qui joue avec un saut avec le Ring Fit. Mais oui, c'était ouf. J'ai regardé en fait quand t'as partagé. Et en fait, c'est marrant parce que elle stream pas mal de choses comme ça. Elle est. Elle a pas beaucoup de. Pas beaucoup de follow. Et en fait, c'est dommage, hein, ce genre de contenu qui est plutôt cool parce que. Bah, ça, c'est. Il y a du. Il y a. Comment on dit. Il y a vraiment une prise de risque. Donc c'est vraiment cool à voir. Et en plus, c'était marrant ce que j'écoutais un peu et à un moment donné, elle expliquait. Ça se voit qu'elle stream vraiment pour comme ça, hein, pour le plaisir et sans vraiment connaître tout ce qui se passe autour de ça parce que les gens lui parlaient de subs en général. Elle disait oui, bon, j'ai activé, mais bon, je sais pas trop comment tout marche exactement. Et en fait, il y a plein de gens dans son chat qui disaient ouais, mais tu veux pas, je sais pas. Avoir un Patreon ou un truc comme ça parce que ça rend cool ce que tu fais et à découvrir totalement quoi. Et clairement. Ok, super. Ok, moi je pars pas du bon côté. Mais c'est quoi ce bordel? Ok, bon bah c'est mort. Ah oui, d'accord, ok. Bon bah je peux vraiment vous dire que là c'est mort parce que. Je crois que je vais quitter direct parce que mais et mon mec qui se relève pas là. Oh là 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 là. Et là-haut ils sont déjà 15 hein. Ils sont déjà 15 hein, donc c'est impossible de se faire qualif voilà.
Elle est infernale cette épreuve. Elle est infernale. Elle est infernale. Je n'y arriverai jamais. Celle-là, j'y arrive pas. Hein. C'est trop compliqué. C'est, si tu fais pas un run parfait dès le début, tu peux pas arriver à la fin. Même Nico. Imaginez, même lui, des fois, il foire celle-là. Est-ce que... Est-ce qu'on va y arriver? Moi, j'y crois. Mais si vous, là, si vous y croyez pas, moi, je peux pas le faire. Hein. Je peux pas le faire. Faut que ça spamme plus. J'y crois à fond. Mais oui, voilà, ça, c'est... Ça, c'est des gens bien. Des gens qui y croient. Après, voilà. Est-ce que le fait qu'on ait quelques habitués en moins ne coupe pas le feeling de ce stream? Bon, déjà, parce que c'est pas Nico. D'une, ça joue. Hein, d'une, ça joue énormément. Mais de deux, est-ce que le fait qu'on n'ait pas un Phoenix qui veut stream hack? Oula. Est-ce qu'on, le fait qu'on n'ait pas un Roblé qui vient et qui débarque avec des sub-gifts par million? On n'est pas le papa de Nico. C'est important, le papa de Nico. Est-ce que le fait qu'on n'ait pas tout ça, ça joue pas sur la balance? Ah oui, d'accord, ouais. C'est toi le jambon. Les Bretons, c'est des jambons. Le fameux jambon breton. C'est passé quoi, là? Alors. Ça va le faire. Alors, je pense que... Si ça se fait pas sur cette run là, je pourrais en faire encore une derrière. Après, ça va être compliqué. Surtout si les gens mettent beaucoup trop de temps à avancer comme ça. Est-ce qu'il y en a qui jouent au tapis de danse là? Parce que ils ont l'air de galérer à avancer. Oh, j'ai vu un... Il y avait eu une vidéo qui a été retweet par le compte de Fall Guys la dernière fois. Parce que il y a un streamer en fait qui est en état de handicap et qui en fait a tout un matos où il peut utiliser son PC, vous savez, avec un dispositif sur sa bouche. Et le mec faisait du Fall Guys. C'était fou. Je sais pas comment il s'était capable qu'il fasse ça. Juste, je sais pas comment cette techno elle marche, mais c'est ce genre de dispositif et c'est assez incroyable. Je sais pas s'il a fait top 1, c'est juste un passage de sa run, mais bon, il a fait une run jusqu'à la fin sur une des épreuves comme celle que je viens de faire en fait. Donc faire des esquives, faire des sauter, s'accrocher et tout, il pouvait tout faire. Ah ouais, un top 1 sur Warzone en solo. Alors que moi, j'arrive même pas à faire de... De top 1. Oh là, oh là, oh là. Eh les gars. Non. Oh, je suis deg. Allez, on y croit. On se fait là-dessus. On tombe pas là-dessus, clac. Voilà, très bien ça, c'est très bien ça. Il faut juste la jouer sécure. Oula, je vais me faire juste la jouer un peu. Voilà, il y a 5 qualifiés. Non. Là, on va y croire. Si on fait ça. Yes! Ça, c'est bon ça.
Le mec avec des rêves et dire mais tu c'était toi non. Ça y est, c'est devenu en... Vous êtes en roue libre complet maintenant dans ce chat. Les mecs ils s'insultent à moitié. Ça passe de communauté bienveillante à trash talk infini quoi. C'est très cool. J'aime beaucoup. Oui. Bah ça c'est à cause du soleil hein. Ah là là, cette vieille blague pourrie là sur. Mais oui, je pense que la boule de fumée dans le ciel. Ouais. Attends. Boule de neige en folie. Alors. C'est la première fois que je fais cette épreuve. Ne te laisse pas assommer. Je ne connais pas cette épreuve. C'est la première fois que je la fais. Oh non. Non. J'ai pas confiance en moi là-dessus. Hein. Oh là là, elle est. En fait, faut s'éloigner des gens parce qu'ils sont. Voilà. Je comprends pas, moi, les épreuves aujourd'hui là. Elles sont. Tellement galères. Tellement galères. Est-ce que... Ouais, pourtant, je suis pas en concours d'élite, hein. Bon. Alors, si ça se passe pareil, peut-être pas la dernière. Mais il y a moyen... Il y a moyen de le faire. J'y crois maintenant. Oh, les émissions, les épreuves du jour, elles sont. Est-ce que c'est parce qu'on est lundi? Est-ce que lundi a ça? Est-ce que Nico a ça tous les lundis? Moi, je comprends pas. Parce que je peux pas le voir, moi, à chaque fois. Oh, Unimode top 1, bien sûr. Est-ce qu'il faudrait pas le visage de Nico? Le visage de Nico? Avec top 1 écrit en gros dessus. Est-ce qu'il faudrait pas ça? Comme ça, quand il lâche un top 1, bam, tac tac tac, ça spam. Parce que là actuellement, j'ai un slot en fait de. J'ai un slot d'emote que je peux remplacer. Je l'ai pas encore fait, j'avais la flemme. Mais parce que il y a deux emotes d'ab en fait. Et en fait, il y en a un des deux que je vais enlever et je vais mettre. Je pense que je vais mettre une emote comme ça. Là, on a atteint le maximum de slots d'emote qu'on peut avoir en tant que affilié. Après, c'est partenaire hein, pour en avoir plus. Et là, c'est pas tout de suite. Parce que les 75 de joueurs de moyenne. On n'y est pas encore. Allez. J'y crois. Allez, c'est parti. Tac. Regardez-moi ça. Ce serait pas un... Non. Non. Oh non. Ah non, ça c'est injuste. Imaginez, perdre là-dessus. On y est là, 75. Non, on n'est pas à 75, on est à 7,5. C'est la moyenne. Alors, j'ai commencé PS4... pas le feeling, c'est... Ouais. Warzone. C'est marrant parce que... Bon, je dis ça, mais en fait, c'est peut-être faux. Mais à part sur code,
J'ai l'impression que la hype sur le Battle Royale redescend. Et donc maintenant, il n'y a plus que les certains gros qui sont installés. Et on n'a pas 50 000 qui sortent chaque année parce qu'ils se sont dit c'est le mode à faire absolument, quoi. Ouais, c'est ça. Sur Fortnite, je sais, j'ai pas suivi ce qu'ils faisaient, mais c'est devenu une machine. C'est une usine à gaz, ce truc. J'ai l'impression que t'as l'impression d'être dans un monde ouvert RPG en même temps qu'il fait Battle Royale, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Et Apex, ça a l'air vraiment cool, hein, vers comment il a évolué. J'avais pas. J'ai un peu fait au début, mais j'ai pas tellement suivi. Lâchez-moi. Voilà. Ah, les bugs d'animation là. C'est pas bon signe qu'il y ait autant de monde devant moi. Hein. Vraiment pas. Hein. Allez. On y croit là, sur le milieu. Ça allait très vite. Fallait vraiment pas. Ouais, la méta-construction, elle est hardcore. C'est vraiment que. Quand tu joues au début, ça allait parce que C'était pas si. Il y en avait qui étaient très forts pour cette méta-là. Mais tu pouvais gérer sans être trop. Ouais, c'était pas trop nul sur la construction, ça allait. Mais après. Dès que c'est monté en skill sur ça et que les gens commençaient à faire des châteaux forts en 3 secondes, tu savais que tu pouvais plus t'en sortir, quoi. À part si t'as une visée costaud. Mais encore, c'est pas non plus un. C'est pas de la simulation. Enfin. Ouais, ouf, quoique, au final, même si t'as une visée costaud, ça peut passer. D'accord, donc là on se prend les. D'accord. Ok. Vous le sentez ou pas le fait que comme ils nous envoient des fruits, on va se faire éclater. Non. Oh là 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 là. Pourquoi ? Et comment que ça arrive là d'essayer de me faufiler et qu'il y a un mec qui se dise je l'attrape. Voilà. Juste parce qu'il s'est dit que c'était le meilleur truc à faire tout de suite dans l'immédiat. Alors peut-être parce que je me fais éclater depuis le début là-dessus. Et que je me fais attraper à chaque partie. Mais je trouve quand même que, en fait, sur des épreuves qui ne sont pas, vous savez, le pingouin, les œufs et les trucs comme ça. En fait, les épreuves où tu peux faire tomber les gens par ça, je trouve que c'est pas foufou de permettre d'attraper les gens. Parce que... Enfin, je sais pas, bon, après c'est un côté aléatoire comme un autre. Hein. T'essaies de sauter et puis y en a un qui t'attrape et qui te met dans le vide. Hein. Mais voilà, t'as tout compris. Moi je me repose sur les autres. Je me repose exactement sur les autres. C'est comme dans n'importe quel jeu en fait. Je me repose 100% sur les autres. Regardez, quand on faisait du raft, je faisais pas grand chose. C'est les autres qui faisaient tout. Moi, je faisais juste ma parabole. Ok, allez. Go. On y croit. Pff, je me fais éclater.
Voilà, voilà, nickel. Eh ben, heureusement que les barres sont là pour m'aider. Hein. Allez, 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 c'est parti. Le pire, c'est que ça, c'est une épreuve classique. Et j'arrive quand même à me faire choper par les mecs dès le début. C'est infernal. On y va tranquille. On tente même pas le milieu. Parce que là, il y a vraiment moyen de se faire avoir par le... Non, voilà. Allez, 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 allez. Il y a trop de monde là. Il y a trop de monde. Il essaie de s'attraper au milieu. Bien, ça, bien. Ah, je crois que c'est toi, Topiro, qui a... T'avais pas stream... Comment ils appellent ? Little Nightmares ? Un lundi ? Je me demandais ce que ça donnait en stream, si c'était cool à faire. Comme il est un peu dans le... Il est un peu dans le backlog. Je me demandais si c'était sympa... à stream et à regarder en fait surtout. Je sais pas si c'est si c'est très lent, si c'est très si c'est compréhensible, oui, compréhensible en visionnage quoi. Quand tu vois bien ce qui se passe et tout. Parce que souvent c'est ça, c'est quand c'est un puzzle game ou autre, bon bah tu regardes mais si tu comprends pas tout ce qui se passe ou si c'est pas vraiment clair le gameplay ou autre. Tu te fais un peu chier à l'écran. Allez. C'est la dernière. Je l'annonce. Hein. Donc je dois tout donner. Et en fait, tant que je me fais pas tenir, bah franchement, ça devrait aller. Il se passe des choses là, hein, sur le... C'est quoi ça? Une ambiance dans le noir pour apprécier vraiment alors en stream, ouais. Oula, oula, là, ça j'aime pas du tout. Merde. Faut que je me mette bien là. Hop. Hop, hop, voilà, allez. Je sais pas ce que ça donne là, de prendre les élévateurs là, les ventilos plutôt, les élévateurs, qu'est-ce que je raconte? Coucou vous. Sinon j'en ai deux en backlog, que j'aimerais faire. Bon, un Little Nightmares, je sais que c'est un peu dans... un peu ma cam, je sais que ça va passer. Et un autre, totale découverte, parce que je suis pas forcément très bon sur les platformers. Et donc c'est Ori and the Blind Forest, le premier. Et en fait il fait de l'œil depuis tellement longtemps que j'aimerais vraiment le faire. Mais voilà, je suis pas un platformer de l'extrême comme peut être Nico. Ou même Joris. Joris, il gère quand même. Je sais qu'ils l'ont fait en fait tous les deux. Mais il est vraiment cool. Il est sur le Game Pass donc il est prêt là, il est chaud, il attend dans les. Il attend, il est en coulisses. Mais ça peut être cool à. Ça peut être cool à stream en fait. Parce que le jeu est beau, bon, il se passe quand même pas mal de choses, donc... Ouais, je sais pas, en fait, je n'ai aucune idée de la difficulté. Tu sais, je le classe dans les genres platformers un peu exigeants, mais s'il faut non, si je le mets comme un... Est-ce que comparé à un Hollow Knight, si on compare à un Hollow Knight, qu'est-ce que ça donne?
Pour l'honnête, j'ai une bonne dizaine d'heures dessus en plus. Et j'avais beaucoup apprécié, mais il y avait tellement d'allers-retours, tellement de trucs dans tous les sens, au bout d'un moment, j'ai lâché. Et je vais galérer à m'y remettre. Allez, on va tenter le... Ouais, ils avancent, les bleus avancent, donc... Ah non, ouais, donc c'est les jaunes qu'on va essayer de bloquer. Est-ce que ma team galère là? Ouais. On va essayer de bloquer les jaunes. Ok, les jeunes arrivent là. Allez. Non. Oh là là, ça pue. Les rouges sont toujours pas là. Ah non, je les ai pas vus passer. Ouh, j'ai eu de la chance. En fait, j'ai cru, sur le coin de l'écran, j'ai cru que la boule rouge était encore en haut et qu'elle était pas passée. Oh, j'ai eu de la chance. Ok, c'est bon. Allez. Ça va le faire? Bien sûr. On est chaud. Voilà, allez. C'est de la concentration pure. C'est pas de plateforme, c'est pas du... Il faut juste... Est-ce que je vais me faire attraper par un autre encore? Allez. Ouais, ok, je vois ce que ça joue. Voilà, de toute façon, c'est forcément la dernière, parce que, vu l'heure, il faut tracer. Boss, hein. Ah, voilà, il y en a déjà deux éliminés. On va se mettre là, on anticipe un peu. L'œil qui gratte, c'est pas très bien. Il y en a qui sont vraiment chauds pour... Est-ce qu'il y a moyen de se mettre sur le côté? Non, il n'y a pas moyen de se mettre sur le côté sur ces trucs-là. Oula. Oh là là. J'y crois pas. Allez, c'est bon. Parce qu'après, on a l'autoroute là. On a l'autoroute du non-fun. Voilà. Allez. J'espère qu'il y a eu des éliminés un peu là sur cette épreuve. Ce serait vraiment top. Allez. Ça tient. Il y en a un qui me tient. Il y en a qui tiennent. Il y en a qui veulent pas me laisser tranquille. C'est bon. Ça devrait bien se passer. Après le papa de Nico qui débarque sur le chat, moi, ouais. C'est mon papa qui va débarquer chez moi. Donc ça peut être très drôle d'entendre. Attendez. Qu'est-ce que tu me dis ? Bon. Épreuve finale déjà. C'est bon. On y est. Il faut que j'anticipe en fait. Il faut que j'anticipe ces trucs-là. Voilà. C'est bien, John. C'est bien. Tu démarres bien. Voilà. Tu démarres pas forcément bien. Parce que ça, c'est pas du tout ce que j'aime. Là, il faut peut-être que je me mette là. Hein, avec la troupe. Là, la barre, elle avance trop. Toujours pas d'éliminé. Pas bon signe. Pas bon ça, pas bon. Ouf.
Allez. Ça commence à être éliminé. C'est bien. La barre. Oh non, non. Voilà. Allez, allez. Ouais, là, ça... Ça va être hardcore. Hein. Double barre, ça tourne vite. Quoi ? Ça se joue au mental. Ça se joue au mental, les gens. On y est. On y croit. Il y a moyen que je clutche pas. Il y en a un qui est tout seul là-bas. Je sais pas si sa plateforme va tomber ou pas en fait. Je tente le grid. Comment les autres ont pu passer et moi non. Et moi non. Bon ben voilà. J'ai fait un top 7. Top 7 peut-être. Top 7 mais... Il n'y a pas eu de conclusion. Je tente le grid. Ouais. Ouais. Je suis deg. Et je peux pas terminer. Je peux pas terminer. Je peux pas en faire une nouvelle. Je peux pas. Je peux pas. C'est le karma. Ah, la commande karma qui marche pas. Ouh, deg. Deg, deg, deg. Bon, attendez, on va se remettre là-dessus. Faudrait que je fasse un truc pour que l'animation se relance pas à chaque fois. Voilà. Bon, les gens, on va attribuer les canapouettes. Parce qu'il y en a qui méritent. Top 1 sur la dernière, franchement, j'aurais vraiment kiffé, mais deg, 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 deg. Ça, c'est mon problème. Ça, je grid un peu à la fin. Et... Bon, ben, désolé pour ceux qui ont fait Louis. Et c'est parce qu'il y avait quand même Laura de Nico. Laura de Nico m'a pas aidé. Et dommage, dommage. Il aurait pu faire un effort. Il a fait zéro effort. Il s'est pointé sur le stream. Voilà, il faut que je nettoie un peu chez lui avant de me barrer. 74K. Mec, tu sais qu'à 999 millions, tu peux être modo de la chaîne du truc pendant un stream. Donc, faut que tu graines. Hein. Bon, eh ben, on va se trouver une petite... On va voir que je coupe le son. On va trouver une chaîne à raid. Chaîne à raid, comme on dit. On va raider une chaîne. On va raider Guadael, qu'on connaît déjà, qu'on a déjà raidé une fois. Elle fait du Overwatch. Et comme dernièrement, je me suis un peu remis à faire du Overwatch, eh ben, j'ai envie de lui balancer nos 10 viewers. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça à prendre. Bon, eh ben les gens, à très bientôt. Et puis on se voit dès demain soir pour du gros gros skill avec Joris. Allez, à la revoyure les gens. Bisous bisous.